Suivant. Bonjour. Passeport, s'il vous plaît. C'est Madame Suzanne. Alors, vous allez faire quoi aux États-Unis? Je ne vous entends pas. Non, je dis, je ne vous entends pas. Parlez un peu à haute voix. Ok. Pour les vacances. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes enseignante. Est-ce la première fois que vous voyagez pour les États-Unis? C'est la toute première fois. Est-ce que vous avez quelqu'un aux États-Unis? Vous connaissez quelqu'un aux États-Unis? Oui. Et c'est chez qui? Vous allez chez qui exactement? Votre petite amie. Ah bon? Vous allez chez votre petite amie. Et depuis quand sortez-vous ensemble? Non. Votre petite amie, depuis quand sortez-vous ensemble? Depuis 2 ans. Vous avez dit depuis 2 ans. Ah bon? Donc cela fait 2 ans que vous sortez ensemble. Et vous êtes sûr que vous ne sortiez pas avec quelqu'un d'autre avant? Non, vous ne sortiez avec personne d'autre. Qui a été votre petite amie avant que vous ne sortiez avec celui qui vit aux États-Unis? C'est moi. Non, tu reconnais que c'était moi. Et tu dis que ça fait 2 ans que tu sors avec celui des États-Unis. Ça veut dire que quand toi et moi on sortait ensemble, tu étais avec lui. N'est-ce pas? Je peux avoir vos relevés bancaires pour savoir si vous êtes capable de payer ce voyage. Ou bien c'est lui qui va payer. C'est à son compte. Est-il marié? Je peux avoir son nom? Moussavou Evrad. Madame. Vous dites que vous êtes sa petite amie, n'est-ce pas? Mais ce monsieur est déjà marié. Savez-vous que la polygamie est interdite aux États-Unis? Vous allez aux États-Unis pour retrouver votre petite amie qui est mariée. Quand est-ce allez-vous arrêter cette vie-là? Vous ne pouvez pas rester avec un seul homme, un homme qui vous appartient? Non. Et c'est sûr que c'est ce que tu me faisais, puisque ça fait 2 ans que vous sortez ensemble. Tu as vu ta vie. Tu vois. Tu es tombé bien bas. Regarde là où je suis aujourd'hui. Regarde là où je suis. Tu quittes un homme qui est tout frais, qui travaille, qui a un boulot convenable, qui peut bien s'occuper de toi. Tu me quittes pour aller vers un gars qui est déjà marié. Tout simplement parce qu'il vit aux États-Unis. Et tu ne t'es pas dit qu'en venant ici, j'avais ta vie en main. Comment veux-tu voyager? La polygamie est interdite aux États-Unis. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'elle peut faire des enfants? Alors, et vous comptez revenir quand? C'est pour combien de temps votre séjour? 2 mois. 2 mois aux États-Unis. Dites-moi un peu, il y a un truc qui m'échappe. Vous serez logé chez le monsieur en question qui est déjà marié ou bien vous serez logé à l'hôtel? Qu'en est-il exactement?
Parce que dans vos documents que vous avez remplis en ligne, vous avez mis son adresse. Mais comme il est marié, je ne sais pas, est-ce que vous serez logé dans la même maison? Dans la même maison? Ou vous ne savez pas encore? Vous ne savez pas. Oh, Suzanne, 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 tu es tombée bien bas. Être la petite amie d'un homme marié. Bon, je suis désolé, madame. Vous pouvez repasser autrement. Vous pouvez tenter votre chance prochainement. Vous n'avez pas pu me convaincre que vous avez assez de liens forts pour revenir ici au pays.